ici c'est la salle de la vérité. Je présente la fée de la vérité. Okay. Oui, c'est moi, mais j'ai en plus la chance d'être la fée de la vérité. Parce que je sais quand est-ce que tu mens. Et grâce au casque que je vais te mettre, on va savoir tout de suite quand est-ce que tu vas mentir ou pas. Ouais. Du coup, on va te poser des questions. Et si tu mens, ben, ça bipera. As-tu une amoureuse? Oui. D'accord. C'est qui? Erika. Bah non, c'est pas Erika. Donc c'est... C'est une fille, Adèle. C'est pas Delphine? Non, c'est pas Delphine. Ah. C'est Delphine. Si, c'est Delphine. Voilà. Oui, bah voilà. Tu as un amoureux? Non. Il nous ment là. Pas ah. Si. Si? T'as un amoureux? Comment il s'appelle? Elliot. T'as une amoureuse à l'école fête? Non. 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 Mais avant, c'est quoi? La fille? Lorelai. Non, pas Lorelai. J'ai changé. Ah, c'est qui alors? J'ai changé. Tu as une amoureuse? Ah oui, voilà. Ouais. Est-ce que tu as une amoureuse? Qui c'est? Il y en a Kayash. Ah. Ça fait combien de temps que tu sors avec elle? Bah, je vais pas du tout encore sortir avec elle. Hein. Ah! T'es juste amoureux. T'es juste amoureux d'elle? Ouais. Bah, quand je serai grand, je pourrai sortir avec elle, mais pas encore. Mmh. Tu vas te marier avec elle? Bah, ouais, c'est elle qui m'a choisi. Ah! Celle qui l'a dit. Ah! Et est-ce que t'es un amoureux? Hugo ou les gamins? Oh, deux carrément! Deux! Waouh! Ça fait combien de temps? Un an. Oh bah dis donc, ça fait longtemps. Et vous allez vous marier? Non. On est juste amoureux. Ah ouais. Et t'es une amoureuse au fait? Non. Non. Tu fais de la vérité, il a une amoureuse? Oui, mais il veut pas dire qui. C'est qui ton amoureuse? Non, mais on disait à personne. Promis. 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 C'est Jade. Est-ce que t'as un amoureux, Ismen? C'est qui? Hugo. Il est gentil. Ça fait longtemps que t'es amoureuse de lui. Vous allez vous marier? Ouais. Tu connais des gros mots un peu? Non. Ça c'est un gros mensonge, non? J'en connais. Ah. Ta gueule, tu vas me faire foutre. Et je connais encore des autres. Tu dis des gros mots? Parfois. Bon, t'es honnête. C'est bien. Tu en connais? J'en connais des gros mots. T'en dis souvent? Oui. Ah non, toi t'es quelqu'un de bien. Ah ouais. À part quand vraiment il me gonfle. C'est quoi ton pire gros mot? Mon pire gros mot, ça veut dire... Ta gueule. Oh. Coquin. Le plus gros mot, c'est connard. Ah. C'est quoi le pire gros mot que t'as dit? Putain. Bon. T'en as pas d'autres? Non. Bon, d'accord. J'en ai que un. Tu dis pas gros caca, boudin ou truc comme ça? Non, je dis pas ça, j'ai pas envie. Si, tu l'as déjà dit, je pense, ouais. Non. Tu l'as déjà dit? Tu l'as déjà dit? Non. Vas-y. Si. Ah. Si, tu l'as déjà dit? Oui, oh, parfois. Petit coquin. Parfois, quand j'étais tout bébé, je suis allée, maintenant il m'a dit caca boudin. Il m'a dit dans les toilettes. Non. C'est pas vrai. Nathan qui a dit ça? Oui. Tu trouves que c'est bien d'en dire? Non. Ah oui, non, on est d'accord. T'as vu, là, t'as pas menti, tu vois, c'est bien. Tu dis des gros mots? Oui. Qu'est-ce que tu dis comme gros? Non, j'ai pas envie, en trop. Ah non, promis, t'es pas puni. Connard. T'as envie de faire quoi contre ce plus grand? Gendarme. Ah ouais? Pourquoi? Avant je voulais militaire. Ah ouais? Maintenant je veux gendarme, c'est mon nom, je veux militaire. Je crois que je serai pompier. Ah ouais? Tu veux. Ouais. Ou dépanneur. Tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Policier. Policier?
T'es sûr que ça va être bien d'être policier, d'attraper les méchants? Et après, je savais pas où ils sont, les autres policiers, ils sont déjà partis. Mais non, tu seras avec eux, ça va bien se passer. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grande, Adèle? Je vais l'aider à travailler. Maman? Oui. Elle fait quoi comme travail, maman? Elle lave des maisons. Ah ouais? Puis c'est tout. Et toi, tu veux faire pareil? Oui, mais j'en vais au travail avec papa. Et fait quoi comme travail, papa? Il travaille avec ses copains. Qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand? Être policier. Pour arrêter les méchants? Ouais. T'en connais beaucoup des méchants? Le grand et celui qui a. Celui qui veut tout le temps le baby de foot. Ouais. Ensuite, il y a. Celui qui le plus. Qui me casse les pieds le plus. Toute ma vie, c'est mon frère. Ah, Lucas. Ouais. Des fois, il me tape et il me mord. Oh, et qu'est-ce que tu fais du coup dans ces cas-là? Bah, je me bats. Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand comme métier? Je serai dans une belle cave. Ah, ça, ah ouais, ça je pense bien. Je fais footballeur. Si? T'as pas envie d'être footballeur? Si? T'as envie d'être une fée? Non. Non. Mais non. Mais non, j'ai pas envie d'être une fille. T'as envie d'être une petite fée? J'ai envie. J'ai dû occuper de la ferme. Tu veux être une fée comme moi? Non. Non. Tu crois pas que Maxence, c'est la fée de la vérité? Non. Vas-y, vole alors. Tu as été sage à l'école? Dans la oui. Classe à Magali? Oui. Non, j'étais pas sage dans la classe à Magali. T'as été sage à l'école cette année? Ouais. Et non. T'as fait des bêtises? Non. Oh. Un petit peu, quoi. Bah oui. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Ah bah, j'ai tapé. T'as tapé? Bah aussi, les autres, ils tapaient. Ah ouais. T'as été sage à l'école? Ah oui. T'as fait quelques bêtises? Pas trop. Un petit peu. Ah ouais. Et t'as fait des grosses bêtises? Des petites. Ah ouais. Et c'était quoi tes bêtises? Des fois je suis punie. Ah ouais, mais pourquoi t'es punie? Parce que l'année elle me compte. Et c'est quoi les bêtises que tu fais? Bah quand je parle et elle lit une histoire, bah ça l'embête de parler et donc je suis punie. T'as été sage à l'école cette année? Fait des bêtises? T'as déjà fait des bêtises? Un petit peu. T'as jamais fait de bêtises? Petite. T'as fait des petites bêtises quoi. C'est quoi les bêtises que tu as fait du coup? J'ai écrit sur caca. T'as été sage à l'école cette année? Oui. Non. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? T'as fait beaucoup de bêtises? Je fais la bagarre. Est-ce que tu sais comment on fait les bébés? Non. Tu sais un petit peu comment on fait les bébés? Comment? Dis-nous. Comment on fait les bébés alors? Pas plus fort, j'entends pas. Dieu! C'est Dieu qui fait les bébés? Oui! Ah! Tu sais comment on fait les enfants en fait? Comment on fait les bébés? Bah, on met la graine sur l'oreille, après ça tombe sur le ventre. Mais qui met la graine? Mais qui la met? Bah, il y a papa des fois. Non, il y a mamie. T'es parti où en vacances? Au camping et au Portugal. Et t'as préféré quoi? Le Portugal. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que j'ai acheté le maillot de Cristiano Ronaldo. Wow. Bon, bah, c'est bon Kylian, on a terminé avec toi. Ça t'a plu? Oui. Oui? Et c'est Maxence, ça fait de la vérité. Tu m'avais pas reconnu? Non. On y va? Allez, Kylian. Au revoir Kylian, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, merci Kamel. Merci. Je te laisse prendre un petit bonbon? Ouais.
Action. Rec. Ok. No. Oui, entrez. Bonjour. Je m'appelle Guy Stop. Coupé. I want something just like this.